Salut à tous et à tous, ici Super Canon, c'est appelé ça, et on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Mario Kart Double Dash sur Nintendo GameCube, la meilleure console. Non, je déconne, quand même pas. Donc aujourd'hui, le 5cc, un petit aléatoire. Non, ça, non. Ça, j'appelle pas ça de l'aléatoire, j'appelle ça du bide. Bon, bah, c'est parti pour Wario et Bowser Jr. C'est bien parce qu'on les avait jamais pris, ces deux-là. Donc aujourd'hui, la coupe spéciale. On n'avait jamais pris Bowser Jr, évidemment. Là, un Wario avec Wario. C'est parti, mon bichon. Donc vous l'avez déjà vu ce circuit, hein, c'est le même que la dernière fois. C'est juste qu'on a débloqué le 100cc. Casse-toi. Ça fait un peu bizarre, hein, ce véhicule. Hein. Et voilà mon petit pote. Donc là c'est du sang. Alors là, je tente le noscope. J'ai noscopé personne, à part ma gueule. Une étoile qui s'approche, c'est le début des ennuis. Jamais réussi à avoir les trucs bleus, hein. Vous avez vu ça? Oula, la randonne verte. Je veux dire, il n'y a pas Parapoupa et Koopa en devant, non. Pourtant. Il y a des mecs qui ont châté leur mère. J'ai un peu du... Ouais, j'ai du mal à avoir les bleus, je sais pas pourquoi. Oula. Cette random verte du bled. Non. Oh là là. Ça c'est tout ça parce qu'en fait mon dérapage il s'arrête tout seul, mais vraiment tout seul. La manette c'est pourtant bien enfoncée. Mais non, ça s'arrête, tu sais pas pourquoi. C'est le bug summon de l'émulateur. Bref, la manette, l'émulateur, combat éternel. Alors je sais pas si c'est mieux de passer par là, mais bon. Le spécial de Wario qui est la bonbon, parce que Winter Wario est un terroriste. Vous ne saviez pas, moi non plus, mais son spécial c'est la bombe. Alors j'ai beau avoir un personnage lourd, donc oui, hein, dans le jeu, les personnages lourds sont les personnes qui vont censés aller le plus vite. T'as à prendre bombe. Vous touchez personne. Dernier tour, parce que oui, ce circuit est en deux tours. Non, il a pris le cadeau. Pff, raté. Mais putain, alors ce circuit il est mal fait, Sama. Pourquoi il est mal fait, Sama? Parce que... Il est mal fait, Sama, parce que tout simplement, parce que quand t'es premier, bah tu peux prendre tous les cadeaux et ceux que derrière ils pourront jamais te rattraper. Bon, j'ai jamais eu les étoiles en bleu, les flammes bleues. C'est clair qu'avec une bombe noscope, on sait jamais. Ah, j'ai touché tout le monde avec ma bombe. Ah putain! Toi. Regardez-le, les gars. Oh, mais la chatte! Truc de malade! Regardez, voilà. Je suis ralenti tel un gros cul, voilà. Mais la chatte, c'est incroyable! Moi, j'ai jamais eu de carapace rouge de ma vie. Le mec, il whiff un truc, c'est une carapace rouge. Cette chatte, ça m'a.
Voilà, les assurances maladie. Voilà, faut que je sois premier pour avoir une carapace rouge. C'est quoi cette blague, Sana? Il essaie de faire quoi là? Là, la petite banane en loose dé, mon gars. La petite banane loose dé. Ça va, le son, il est pas cancer. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il s'amuse, hein. Regardez-le. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ah, je suis content. Regardez. Je suis gros, mais c'est pas grave. Je suis en train de baiser quelque chose, là. Regardez-le, il est tout content, le Wario. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est pas très légal, hein, de faire ça dans une voiture. Ouais, le son, ça va. Regardez, le son, il est bien pour une fois. Pour une fois. Il est pas parfait, mais il va bien. C'est pif sa mort. C'est le pif sa mode du truc, hein. Poussez-vous, bande de cons. Poussez-vous, bande de sac à merde. Ouais, voilà, dans ce jeu, tu peux pas te prendre deux items à la fois dans la gueule. Le dommage boost. Pas du tout. Nye. Ah, ah, ça c'est pas bon, c'est pour ma gueule. Bon, c'est pas un peu la guerre du golf, mais à peine. Putain, je galère, mais ouais, mais j'ai un véhicule de gros porc, c'est pour ça. Ben, sixième, mon gars. Ça sent la défaite, pardi. Mais regarde ce véhicule de mes couilles! Bravo! Alors, ça, c'est typiquement le véhicule. Un véhicule de merde. Pourquoi? Parce que quand tu dérapes, en fait, dans ce jeu, bah, tu fais un gros détour. Tu perds le contrôle de ton véhicule. En mode propreté. Alors, ils sont à l'arrivée, moi. Je vais derrière ma mère. Qu'avec ça, ça va m'aider à monter. Mais putain, pourquoi il y avait mis de banane là? Ah oui, hein, l'éclair, c'est pas forcément pour le dernier. Hein. Mais putain, une rondane verte et une bombe. Voilà. Bravo. Wario et Waluigi, c'est de la merde, sachez-le. Vous avez la démonstration sur patte. C'est de la merde. Putain, j'ai du mal, mais pour de la merde, c'est incroyable. Galérien de la vie. Regardez, gros vie. Bon, c'est bon, ce véhicule m'a saoulé. C'est même pas la peine que je continue, il me saoule. Il me saoule, c'est même pas la peine de continuer, il me casse les couilles. Bon, voilà, je vais faire plaisir aux gens. On va prendre les gonzesses. Non mais ça m'agace en fait, ce véhicule il est maniable pour deux sous. Et voilà, j'ai décidé de pas jouer par avoir de race, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Merde. Très propre. Regardez les vies, regarde là, je suis en train de fumer tout le monde sur la ligne d'arrivée. Non mais ça va casser les couilles, c'est juste, c'est bon, le véhicule il sait pas rouler droit. On va pas s'acharner avec un véhicule bancal. J'ai pas envie de casser mes couilles, les couilles à tout le monde avec un véhicule boiteux. À un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Regarde, là c'est déjà plus fluide quand t'as un putain de vie. Voilà, merci patron, au moment je dis que c'est de la fluidité, ce fils de pute. On voit un éclair.
Le problème, et oui, les véhicules légers, les véhicules lourds, voilà, le problème, c'est la maniabilité de Satan. Oula, c'est en train de mourir. Ah là là, la mort. Du coup, là, je vais jouer comme un sac. Merci de me faire jouer comme un sac, espèce de vieux fils de pute de jeu de merde. Voilà. Donc ça lag à mort, donc voilà, c'est la propreté. Ça rame. Le jeu, il est boiteux. Oh là là, ah là là, c'est infernal. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être parce que j'ai 20 000 fichiers sur l'ordinateur et du coup, ça fait de la merde. Oh là, voilà, j'ai relancé le machin et voilà, tout d'un coup ça va un petit peu mieux. Bah ouais, mais c'est juste incroyable. Ordi de merde. C'est quoi ce bruit de la ferme? J'ai l'impression de connaître les 7 enfers des chevaliers du zodiaque là. Mon dieu. Mais c'est qui le fils? Ah bah oui, le fils de pute qui a que des bananes. Et voilà. Tu la sens déjà la maniabilité qui est déjà mieux là. Ah, très propre. C'est juste, c'est pas à peine le deuxième éclair du truc là, du tout, même pas. À peine. Je le savais pas, mais en fait, les deux persos en fait, c'est Peach et. Tiens, bâtard. Voilà, quand je suis un sale bâtard, j'ai aucun respect, je mets ça dans ta gueule. Vous voyez là, je galère pas à faire des dérapages, bizarrement. Bizarrement, quand j'ai un véhicule de type moyen, là j'y arrive. Bizarre ça. Regardez. Peach est un Pokémon, je ne le savais pas moi-même, mais c'est un Pokémon. En fait, pourquoi j'ai pris Peach et Daisy? Parce que tout simplement en 50 CC, le mieux c'est de prendre ces deux-là. C'est les meilleurs personnages tout simplement en 100 CC. Parce que vitesse, voilà. Ils ont une bonne vitesse. Et la niveau maniabilité. Retour d'anévrisme elle a failli avoir Daisy là. J'avoue que faire du kart en robe, c'est pas garanti. Hein. C'est pas le mieux. J'ai failli mourir. Non, ce ne fut pas un rage quiz, c'est juste que le véhicule me casse les couilles. Niveau la maniabilité de Satan. Garde, je leur ai mis deux longueurs à ces bâtards là. De toute façon, les points moyens et les poids légers, c'est les meilleurs dans ce jeu. Les points lourds, c'est des fils de pute. Ils vont à 10 000 à l'heure sur le périph. Mais qui prennent 10 000 ans à accélérer. Quoi. Non, manette de Satan. Regarde ta putain de banane dans ta main plutôt. Ouais. Caméra sur 10 000. Et prends-toi ta banane, espèce de sale botte. Putain, c'est même mon gars. Ah, tu la sens. Tu la sens la GameCube là. Tu la sens la GameCube là. Ah là, alors là on la sent. Hein. La modélisation de Peach et Daisy là, tu la sens. Ah là, moi je la sens. Ah allez là, la modélisation là. Bah oui, le problème des véhicules lourds, c'est qu'ils vont peut-être vite, mais ils prennent 10 millions à démarrer. Et ça c'est de la merde.
J'avoue, ils auraient pas dû les mettre en robe, bah écoute. Ils auraient jamais dû mettre Daisy et Peach en robe, ça veut rien dire. Alors ça, ça permet de voler les objets sur la route. Bon, comme il n'y en a pas... Alors je me demande comment j'ai réussi à ne pas... Donc là, c'est des boucliers en fait. Regardez la maniabilité, regardez, on la sent déjà là nous. Donc là, au lieu de me prendre des items à la con dans la gueule, eh ben je vais les avoir. Donc en gros, ça fait bouclier. C'est un item à la con, d'accord. Mais ça permet de voler les... Donc ça, c'est un bouclier. Oh, le jeu qui refait du diabète. Oh, regardez le jeu. Tout ça parce que j'ai 20 000 fichiers sur l'ordinateur. Tout ça parce que les montages de merde foirent tout le jour. Du coup, on stocke, on stocke, on stocke. Et à un moment, eh ben ça marche plus. Alors, je suis désolé si le bruit vous casse les oreilles. Mais j'y peux rien. J'ai eu ça en premier item. Attends, j'ai de la chance d'avoir eu ça dès le début. Alors ça, c'est un classique, passer à travers les... Ah, oh, ce bruit... Ce bruit insupportable. Ouais. Tu peux mettre n'importe quel bruit. Tu trouveras jamais un autre bruit insupportable dans ce jeu. Regarde, tu vas à 70 à l'heure. Regardez les longueurs qu'on en remet. Les mecs, ils ont raison, il faut prendre des persos légers. Les persos moyens ou légers. Pas les persos lourds. Les persos lourds au début, c'est de la merde parce que tu vas pas vite. Bah, t'as une accélération de chiasse, donc comment tu vas aller vite avec? Ah, alors. Tiens, je me suis pris aucun item. Je me suis juste pris le pied du dinosaure. Bâtard de dinosaure. Donc on va après, bon, qu'après cet épisode, ce sera le 50. Le 150 plutôt. Hi! Hi, bros. De toute façon, j'ai rien à foutre des items, mon gars. Hey! Oula! Alors, c'est qui le meilleur? Du coup, là, avec un Wario ou un Bowser, ah ben, je me serais mangé la banane. Je me serais mangé 20 bananes. Bon, là, le dommage boost. Une étoile, ma gueule. Hein? Non. Putain, le syndrome de je vise toujours à côté. Ah, merde, j'avais deux items. Oh, l'autiste. Oh, l'autiste à côté. Il a tout visé. Il a toujours visé à côté. Du coup, je vais finir en deuxième. Ah bah voilà, un éclair, c'est gentil. Regardez la maniabilité. Ah, ah, c'est clair que c'est pas Mario 60, c'est pas Mario Kart 64. Regardez l'avance que j'avais que j'ai perdu. Tout ça à cause d'une étoile. Ils sont juste derrière. Hein. Je vais finir deuxième et je vais me dire bien de baiser de ma vie là. La cascade, cascade. Voilà la cascade. Putain, le noscope. Oh! Oh! J'ai pas touché, hein! J'ai pas touché! Je l'ai pas touché! Je sors des références que personne ne peut connaître. Je l'ai pas touché! Vous sentez la GameCube là? Alors ça, ça s'appelle se refaire le cul. Regardez, non mais... Regardez les yeux de Daisy. Moi je trouve qu'il y a un problème. Elle a des yeux de poisson. Elle a une tronche de poisson. Et c'est ça qui, que je fais que j'ai jamais aimé Daisy. Elle a une putain de tronche de poisson. Bon, Peach ça va encore, mais... Putain, Daisy elle a une sale gueule. Donc l'épisode va faire évidemment 30 minutes. Parce que voilà, j'ai recommencé.
parce que je suis un mauvais joueur, de 1 et de 2 parce que j'en avais marre du véhicule, le véhicule il est maniable, ça m'a... Vise... Bon. Ça sert pas à grand chose mais bon. Sale botte. Aïe, ça m'a... Mais putain. De toute façon vous avez... Ah ouais c'est ça. Mais ils arrivent. Je vise entre les deux. Oh ça m'a... Casse-toi. C'est bleu. Je vais baiser sa mère. Ce bâtard. Ah ce petit bâtard de Bowser. Bitch qui refait, bitch qui refait le cul de Bowser. Dans un univers alternatif de Mario où Peach s'appelle Bitch, Bowser s'appelle Bowser et Mario il s'appelle Mario. Bah alors? Ah t'es choqué? Tu vois ton, ce item c'est le meilleur item quand t'es premier. Pourquoi? Parce que... Voilà, choqué et déçu. Parce que là, je me serais mangé deux carapaces rouges. J'avoue que j'aurais pété un câble. Là, je fais caca sur le véhicule. Là, le mec, il a châté toute son existence. Regarde, à 70 à l'heure, mon gars, ça plaisante pas. Hein. Prochain à 150, je prendrai Mario et Luigi. Au moins c'est pas des sacs. On verra, je vais peut-être finir avant-dernier. Ah non, c'est vrai. Alors en 150, l'IA commence en fait à varier les personnages en fait. En gros c'est plus les mêmes duos, le duo fixe. C'est plus Mario et Luigi ou Peach et Daisy, c'est machin avec quelqu'un d'autre. Putain le bruit. Il te broie le crâne. Non, non on les voit. Jamais eu les trucs. C'est vrai que le système de dérapage dans ce jeu, c'est un peu le pif. Hein. C'est un peu ce que ça fait un peu ce que ça veut. Hein. Alors quand t'es un expert, pas comme moi, t'es capable de faire ça au premier coup. J'optimise même pas mes trajectoires, je m'en bats les couilles. L'optimisation des trajectoires quasiment. Bon, ça arrive même au meilleur. Alors quand t'es un mec, quand t'es bien, quand t'es très bien, t'arrives à faire ça. Ça ne sert strictement à rien à part rien faire. Ah vous l'aurez entendu du A à Z hein, le truc. Le cœur qui tourne autour. Oula alors là c'est un. Il n'y a pas de... Si, il y a Banzo... Si, il y a Donkey Kong et... Diddy Kong. Là. Le bruit te broie le crâne. Ah oui, il broie le crâne. Hein. Dernier tour. Et merde. Alors, un bon... Alors le jeu, il est très gentil. À un moment, quand tu te prends trop de dégâts, bah... Il se passe ça. J'espère toucher quelqu'un un jour dans ma vie. J'ai toujours pris la gauche parce que j'ai l'impression que la gauche en fait c'est plus rapide. C'est peut-être une impression. Hein. On va même pas encore arriver là. Je sais pas, faut peut-être faire ça vite, j'ai jamais rien compris en fait. C'est... Je sais pas, j'ai jamais réussi à comprendre hein, le système de dérapage de jeu. Moi je suis gauche-droite, à un moment bon ça fait des étincelles. Ça fait des étincelles dans le regard. Voilà, au bout d'un moment ça fait des étincelles.
Des fois ça le fait super vite, des fois ça le fait ultra lentement. Jamais compris. Hein. Bon après c'est devenu plus simple, tu fais gauche droite, à un moment bah t'as les trucs bleus. Bon là c'était en plein milieu de ma trajectoire donc. Merde. Ça c'est bien fait, tu vois, c'est le souci du détail de ce jeu. Ah, Bowser il va finir avant-dernier. Il va finir quatrième. Oui, j'ai gagné. Putain, mais mat. Putain, on le sent les. On le sent 2003 là. Oh. Ah ouais, on le sent hein. Bah alors Bowser, on a fini de quatrième. Oh, on le sent hein. Ah moi je le sens, oh là là. Donc alors j'ai dit déconner en fait dans ce jeu, il y a très peu de personnages dans ce jeu. Hein. Bah très peu, il y a très peu de duos on va dire. Mais t'as des possibilités de duos infinies mon gars. Alors je n'ai jamais rien compris comment on faisait le super, voilà, le départ turbo. Bon, les mecs ils disent qu'il faut faire appuyer jusqu'à 2. Très bien, j'essaye, ça marche pas. À un moment faut se dire la vérité. Ça marche pas. Oh la random verte, ça va. Bowser, il y en a sur la banane. Hein. Optimisation des trajectoires, bande de cons, merci patron. Hop. Oh là 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 là. Quelle action de génie. Alors là, est-ce que je suis un Sama? Est-ce que je suis un daron? Parce qu'en 50, en 100, je l'avais pas réussi. Oh. Manette de mes couilles, voilà, merci patron. Alors là c'est la manette qui... J'ai le bouton appuyé sur le bordel. Ah bah très bien, on me refait l'immatricule. Ouf. Ah le contrôle des véhicules. Eh bâtard, tout à l'heure tu m'as mal parlé. Ouais, mais... Ouais. Tombe sur la banane, fils de pute. Bonjour mesdames. Grosse modélisation. Ils se sont quand même dit à un moment, il faut pas déconner. Hein. En 2004, on va quand même pas modéliser de la culotte, bordel. Hein. Très le PEGI 18 sinon. Putain le mec. Putain ça se bute pour des Mars. Ça se tue pour des Mars. Oh la banane. Oh les fils de rats. Ah, ça faisait longtemps. Oui 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 oui. Ah, je suis troisième. Ouais mais c'est des sacs. Tarka ça se bute pour des Mars. Putain. Et je suis là, je vais être encore plus méchant. Ça se bute pour des Bounty là. Oh. Ah les Bounty. Tiens. J'ai complètement piffé. Oh là là. 2-0 Sama. Oh. Oh on est des sacs. J'ai jamais touché quelqu'un de ma vie. Hein. T'imagines ce serait ça les bruitages. C'est un enfant de 5 ans qui a fait les bruitages. Tu te demandes à un moment. Est-ce que c'est possible? Alors là, est-ce que je vais me planter? J'ai le maîtrise du véhicule. Ah non. Oh. Alors en fait, la technique les gars. Je l'ai enfin retrouvé en fait. Je me suis souvenu de la technique. La technique en fait, c'est rester la gâchette. Est-ce que je vais prendre l'étoile? J'ai... Super. Je suis passé juste à côté comme un autiste. Voilà. Je l'ai regardé, je lui ai dit... Non. Je suis déjà premier. Regardez la putain de modélisation, est-ce que c'est propre? Non, c'est pas propre. C'est dans quel jeu que tu vois la culotte de Peach? Je crois que c'est dans Smash Bros. Dans Smash Bros. Brawl où tu peux voir où tu peux faire ça. Mais encore je suis pas sûr hein.
Parce qu'il y a le fameux Dark Hole. Le fameux Dark Hole de Nintendo pour censurer la culotte de Peach. Je déconne pas, ça existe, hein, vraiment. C'est dans Super Mario Bros. Wii U, tu peux retester, il y a un Dark Hole. Il est d'une propreté. Mais de toute façon, on s'en bat les couilles. C'est quoi cette censure? C'est pour pas que les gamins de 5 ans voient un sous-vêtement féminin? Waouh, grosse surprise! Waouh! Ah là là, c'était en plein milieu de la jeu, trajectoire de merde. Non. Oh! Eh ben non. Tu sens la cacahuète. J'avoue que. Autant Peach, ils ont fait un effort. Parce qu'elle a les cheveux attachés. Parce qu'il faut le dire, Peach à la base, elle a des longs cheveux. Hein. Elle lui arrive au niveau bas de ses jambes. Et c'est vrai que les cheveux dans. Ah! Non! Qui c'est le bâtard qui a mis ça en plein milieu de la trajectoire? Ça doit être un connard! Non. Alors je vous explique, en fait, pour la technique, en fait, il faut garder la trajectoire inverse. Et non, c'est difficile à expliquer, en fait. Ah, peut-être une étoile. Non. C'est une banane. C'est fort, bah les mecs, ils mettent les bananes en plein milieu de mes trajectoires que je prends d'habitude, vraiment. Ils prennent sur mon chemin, comme dirait les... comment ça s'appelle, des super players. Le Dark Hole. Mais là, c'est, tu vois, c'est super mal fait parce que ses jambes, tu les vois. Bon, déjà, c'est très polygonal, hein, voilà. On va pas se le cacher. C'est très le polygone. Bien ce qu'on leur a mis, les gars. Puis bon, il y a que Peach et Daisy en personnage féminin, féminin humaine, je veux dire, parce qu'il y a aussi Toadette. Mais bon, là par contre, t'as des problèmes, hein. Non. Je te dis juste non. Je crois qu'on s'en bat totalement les couilles. Donc oui, hein, les cheveux attachés de Peach, hein, pour pas qu'elle boule ses cheveux dans le tube d'échappement, hein, sinon ça serait complètement con. Hein. Ah, mes cheveux! Ah! Elle prend feu, elle meurt. Bon, ça, c'est déjà, c'est pas cool. Route arc-en-ciel, voilà. Donc là, je crois que j'ai débloqué Toad et Toadette. J'ai toujours dit Toad à l'époque. Quand j'étais gamin, je disais pas Toad, je disais Toad. Pour moi, ça se dit... Je sais pas comment tu pouvais prononcer ce nom, en fait. Donc... Le son est un peu le cancer, pas trop. Donc là, le 150C, il est préférable de prendre les gros. Ça va, hein, le son, il est pas dégueulasse. Pas trop dégueulasse que ça. Elle brousse ses cheveux, elle meurt. J'avoue que c'est propre. Hein. Ah, mes cheveux. Ah. Et là, c'est fini en 1v1. Ça finit en 1v1. C'est dommage, t'as pas ton papy champignon en conducteur. Je suis sûr que si tu fouilles dans les trucs du jeu... Tu peux avoir Papy Champi en personnage jouable. Tu vois, c'est craqué. Il a jamais été perso du jeu, hein, Papy Champi. Félicitations, je l'ai fait en 12 minutes 34, je crois que je l'ai fait. Que le truc, je l'ai fait en... Je sais plus, mais c'est plus long. Hein. Alors, les crédits, quand on s'en bat les couilles... C'est un crédit, on s'en bat les couilles. Bon bah totalement les couilles, le jeu est pas fini. Merci d'avoir joué en 2003. Putain, tu la sens la GameCube. Tu la sens, hein. Tu la sens en fond de tes veines, la GameCube. Voilà, voici la paire Toad et Toadette. Il y en a Toad. Il fait trop le daron. Vous avez le Toad car. Le Toad car. Le Toad car. Donc voilà, j'ai joué que Toad et Toadette. Au prochain épisode, ce sera du 150 et on testera Toad et Toadette qui sont là. Donc t'as 3 moyens, t'as 3 légers, t'as 3 lourds, non t'as 4 lourds en fait. T'as 4 lourds parce que t'as Flora Piranha, c'est Roibou. Ou sinon... Hey! Listen! Ta gueule! Ferme ta grande gueule! Ferme ta grande gueule! Et on testera avec le Bibou-Bouin qui paraît le meilleur véhicule des légers. Ça, ce sera au prochain épisode. Voilà les gens, c'était Mario Kart Double Dash
le 100 CC de la coupe spéciale. On a débloqué Ton et Toadette. Au prochain épisode, ce sera le 150. Le 150, tu débloques le quart. Attends, alors tu débloques le quart de Birdo, de Toadette et de. Je crois que tu débloques le quart de Diddy Kong aussi. Tu débloques un truc, je sais plus ce que tu débloques exactement. T'as le quart de Birdo, ça je m'en souviens. T'as le quart de Toadette. T'as le quart de Diddy Kong et un autre quart. Et après, je débloque Wabou et Roi Piranhas. Roi Piranhas. Donc je crois que c'est ça en coupe spéciale, si je dis pas de bêtises. Et après, je sais plus. Je sais plus pour le miroir, parce que oui, il y a du miroir. Bref, les gens, c'était Super Canin. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 6 de Mario Kart Double Dash. C'était Super Canin. À vous les studios.